Bon, salut les mecs, je fais une petite pause là à chaud. En fait, c'est pas à chaud, je suis pas furax là. Je suis impressionné, putain. Je suis fier de mes gars les Romains là. Je suis fier d'eux là. Je viens de lire quoi ici là? Je viens de lire cette église découverte en. Je vous lis, hein. Cette église découverte en 1983 là, c'est l'une des 23 églises, les 23 putains d'églises d'époque byzantine actuellement connues à Djerassa. En fait, c'est Djerasha, genre. Putain, 23 églises, mec. Ça, c'est de la ferveur, religieuse. Je suis fier de vous. Eh, les mecs, 23 églises, tu réalises? C'est quoi, 23 églises? Mec, c'est 20, c'est genre 23 prêtres. Eh, mec, ça veut dire, genre, c'est beaucoup de monde. C'est une classe d'élèves complètes qui deviennent des prêtres après. 23, en plus c'est pas genre en Jordanie là, c'est ici, c'est dans ce périmètre. Il y a 23 putains d'églises, ça c'est impressionnant, je suis fier de vous. Hein. Après ça c'est quoi, c'est construite en 621. T'imagines en 621, je pense qu'il n'y avait pas de tractopelle là, à ce temps là, ni de grue. En tout cas je me souviens plus trop là, de toute façon je connais pas la date de la création des tractopelles. C'est un peu flou dans ma tête. Après, c'est dit, ces derniers ont souffert des crises iconoclastes. Oh, si c'est une chaîne YouTube, ça, iconoclaste. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah, mais c'est parce que l'église, elle a été brisée par les tremblements de terre, là. Regardez toute la pierre, je vous montre ça, les reines. Après, on continue, je m'en vais rejoindre ma mère. Ah, je l'ai plein. Hein. Mais c'est une belle église, quand même. Hein. Toujours des piliers, ça, c'est sûr. Le chômage, hein, on se rappelle. Là-bas, il y a des petits bancs là pour faire la messe avec les bancs, les piliers et tout. Sérieusement, je trouve les gens qui font la restauration, ils font quand même un bon travail. Salut le Ray, je suis en train de me dire quelque chose parce que je marchais là pour rentrer bientôt dans l'amphithéâtre. Je me dis, putain, les Romains, en fait, il n'y avait pas d'habitation, ils dormaient dans les trucs publics parce que là, il y a genre deux amphithéâtres dans l'endroit, je ne vous ai pas montré l'autre. Il y a deux amphithéâtres. Putain, c'est joli, hein. C'est joli. Voilà, putain, ça c'est de l'amphithéâtre, hein. Bon, comme je disais, il y a deux amphithéâtres dans la ville, quoi. Il y avait dit sur la pancarte 23 églises. 23 putain d'églises. Il y a le temple d'Artémis, il y a la porte d'André, là. Je me rappelle plus de son nom, c'est pas grave. Il y a la porte d'André. Il y a des colonnes partout. Il y a l'autre porte d'André, là-bas. Je sais pas si vous voyez, là. Loin là-bas, je sais pas si je peux zoomer. Non, je peux pas zoomer, putain. Bon, alors, c'est ça, il y a la porte, mais j'ai pas vu une putain de maison depuis le début que je suis dans les ruines. C'est où qui dormait? Regardez, c'est la mer, là. C'est la vraie, c'est le sein de la veine, ça. Alors, c'est ça, j'ai pas vu une putain de maison, c'est où qui dormait, les mecs? Non mais sérieusement, c'est une question que je me pose là. C'est où qui dormait? Sur les colonnes. Moi je dis, il y a plus de colonnes que de maisons ici là. Dormait sur les colonnes. En vrai, les colonnes, c'est les cercueils. Tu les ouvres, tu dors dedans. C'est pour ça qu'il y en font autant. En plus, à l'intérieur des colonnes, il y a des petits trous là. Ouais non, attends, c'est pas assez gros pour rentrer des gens dedans. Moi je dis en fait ici c'est pas une ville. C'est juste qu'on n'a jamais retrouvé les autres habitations. C'est comme Disneyland, c'est genre un parc d'attractions pour les Romains d'antiquité là. Il n'y avait pas de montagne russe parce qu'il y avait. Je pense pas il y avait les technologies dans ce temps pour faire des rails. Genre. Ou pire, il y en avait peut-être, mais ils ont été détruits par les séismes, avec les esclaves qui tirent. Qui tire genre la locomotive là, je sais plus comment on appelle. Mais en vrai ici c'était un parc d'attractions. C'était pas une ville. C'est genre église land. En vrai je sais pas parce que église c'est pas latin. Bah je parle pas latin de toute façon. Bah le français c'est d'origine latine. Bon allez, ciao les reilles.